Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul et c'est un haul Shein. J'ai commandé pour ainsi dire que des breloques, mis à part trois articles qui n'en sont pas que je vais vous montrer, mais sinon c'est uniquement des breloques, tout simplement parce que les calendriers de l'Avent approchent à grands pas et qu'il faut les remplir. Donc j'ai refait un petit stock pour changer de celles que j'ai déjà. Mais avant ça, je vais commencer par ce qui n'est pas des breloques et notamment par ce moule en silicone Avengers. C'est un moule que j'ai pris pour faire de la résine époxy. C'est tout simplement en fait de la résine que je vais couler dans ce moule et qui va au fur et à mesure du temps prendre la forme et puis il va durcir et ça va faire un porte-clés. Ça c'est pour mon conjoint, il aime beaucoup les Marvel, les Avengers et machin comme ça, et moi aussi d'ailleurs. Donc j'ai pris ce moule là pour faire un porte-clés ou autre. Il fait un petit peu moins de 6 sur 7,6 à peu près. Il est quand même bien grand, hein. Il fait pratiquement la paume de ma main. Donc voilà, j'ai pris ça et ensuite j'ai pris deux dies pour tester, voir un petit peu comment ils découpent, même si je pense que c'est globalement la même chose que sur AliExpress. Ça vient de Chine et la boutique c'est ZF Party. Donc là, c'est une bouteille de soda, enfin en tout cas une bouteille que l'on peut faire en shaker. Et ici, c'est une petite caravane. Alors il faut que je retrouve la photo de l'annonce parce que comme ça je ne me souviens plus de comment ça se monte. Mais en tout cas, ces deux dice qui étaient joliment vendus, leur photo était très jolie et ça m'a donné envie. Donc voilà, je les ai pris pour tester. Globalement, les breloques que je vais vous présenter ne coûtaient pas extrêmement cher. Je pense que le plus cher devait coûter 2,50 € je pense, dans les coins comme ça. Ouais, je pense. Sachant que j'ai eu une remise parce que quand vous, par exemple, vous commandez pour, je vous dis des grosses bêtises parce que je n'ai plus les montants en tête, mais si vous commandez pour 25 €, par exemple, vous avez 10%, si vous commandez pour 60, vous avez 20%, et puis ainsi de suite. Et donc, moi, au prix de ma commande, je crois que j'avais pu avoir 25%, un truc comme ça, en plus des points que j'avais déjà, enfin. Du coup, je ne saurais pas vous dire les prix exacts puisque c'est pas les prix que moi j'ai payés. Avec les remises et tout ça, ça faisait bien moins. Mais en tout cas, c'est quand même abordable. Je vais commencer par les breloques un petit peu pas farfelues. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pris des lunes. Alors, il y a du gold, du rose gold et de l'argenté. Ça, c'était vraiment pas cher. Même en tarif normal, c'était pas cher du tout. Je les ai prises parce que justement, alors moi j'ai horreur de mettre une seule breloque dans une case. J'en mets au minimum deux voire trois. Et ça, je trouve que c'est une petite breloque qui paye pas de mine comme ça, mais qui agrémentée sur un bijou et tout ça, ça peut faire sympa. Donc j'en ai pris. Hop. Et je crois, je sais plus, doit y en avoir 50. Oui, il y a 50 pièces. On dirait pas comme ça, mais il y en a 50. Ça, ensuite en breloque qui paye pas de mine. Ben, on va partir sur les étoiles. Hop. Parce que j'en ai pris pas mal. Là, encore des étoiles. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout. Je m'entends dans le c'est tout. Tac. Ouais.
Bah écoutez, là on est dans les étoiles. Alors, dans les étoiles, j'ai pris des étoiles basiques, comme ceci, en gold et en argenté. Il y en a 100. Il y a 100 petites étoiles dans chaque sachet. Voilà. Ensuite, j'ai pris des étoiles comme ça. Hop, je vais faire comme ça, vous verrez mieux. C'est alors, c'est de l'argenté, mais elle tire vers le gris noir. Je ne sais pas si vous allez voir exactement la bonne couleur. Mais elles sont sympas, elles sont relativement plates. Et il y en a, je ne sais pas, pas écrit. Je crois que ça doit être une vingtaine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y en a 20, voilà. Ensuite, j'ai pris les étoiles-ci. Alors, je vais vous en montrer une comme ça. J'ai pas spécialement envie de les sortir. Hop, elle est comme ça. Elle est dorée, mais c'est un doré qui fait un peu bronze. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Enfin, ça fait des petites étoiles. Et enfin, là, c'est des petites, petites étoiles, mais colorées en gold. Donc là, j'ai pris un mix de couleurs parce que, bien sûr, à chaque fois, vous pouvez prendre soit, soit bleu, soit rose, soit bleu foncé, violet, enfin voilà. Moi, j'ai pris un mix à chaque fois. Hop. Ça, ensuite, eh ben, on va partir sur les cœurs parce que les cœurs, il y en a aussi. Là. Et après on aura fini les breloques un peu basiques, si je puis dire. Ah mais il y a les étoiles aussi là en argenté. C'est les mêmes que celles-là. Voilà, mais elles sont argentées. Eh bien écoutez, on attaque les cœurs, mais là, ce sont des cœurs un peu simples en gold. Ils sont un petit peu bombés, je les trouve jolis. Il y a... Ben, je dirais bien qu'il y en a 100. Parce que c'est écrit 100, mais ça me paraît... Oh si, c'est probable. Enfin, voilà tout ce qu'il y a. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs comme ceci, là. En rose gold. Et en fait, j'aimerais tester de mettre un petit peu de résine à l'intérieur. Et pourquoi pas mettre des paillettes, enfin mettre des petits trucs comme ça. Je pense que ça peut être sympa à voir comment ça réagit avec la résine. Mais je pense que ça peut le faire. Par contre, il faudrait que j'achète du scotch spécial. Là, que je n'ai d'ailleurs pas commandé. Bah là, je pense qu'il y en a 20. C'est écrit 20. Je pense que ça doit correspondre à ça. Enfin, voilà pour les petits cœurs là. Ensuite, un peu dans le même genre que les étoiles, j'ai pris des cœurs comme ceci, de différentes couleurs, et je les adore avec la bordure là. Franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite là, c'est les trois mêmes cœurs, c'est juste la couleur qui diffère. Et donc là, on est sur des cœurs bleus. Mais toujours en gold. Ici, on a les blancs. Et ici, les roses. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Je pense que vous devez bien voir. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit lot de nœuds. Comme ça, en gold.
avec un, bah comme les cœurs, les petits petites bordures là. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a du bleu, du blanc, du noir, il y a du rose et du violet. Voilà. Ensuite, bah, je vais piocher au fur et à mesure. Là, on est sur un lot gold de étoiles de mer. Elles sont assez basiques, mais je pense qu'elles peuvent faire le taf. Ensuite, des fleurs en... je sais plus comment ça s'appelle. Je suis dès qu'il n'y en ait qu'une seule des roses comme ça. Ouais. Là, j'ai quatre bleus. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Ça, ensuite, des petits cœurs. C'est un peu la même matière. Enfin, petits. Ceux-là, ils sont plus gros quand même. Ce que j'aime beaucoup avec Shein, c'est que en fait tout est envoyé de la même base. Et du coup, on n'a pas 50 000 enveloppes à ouvrir comme sur AliExpress. Alors je ne critique pas du tout AliExpress, hein, j'adore passer des commandes chez eux. Mais c'est vrai que pas avoir 50 000 enveloppes à ouvrir, c'est un plus. Bref, petit aparté, je continue. J'ai pris ces breloques-là en bonbons. Donc là, pareil, j'ai pris un mix de couleurs super joli, donc rose, jaune et bleu. Et il y a un rose un petit peu plus foncé ici. Là. Ah. Là. Ensuite, j'ai pris des fleurs comme ceci. Alors, elles sont toutes retournées, mais c'est toutes les mêmes. Donc c'est comme celle-ci. Je pense que c'est la même matière que ça. Ça et ça. Je pense. Bref. Ensuite, bah, on va continuer dans les bonbons. J'ai pris des espèces de bonbonnières comme ça. Rouge et rose. Voilà. Des petites tablettes de chocolat. Donc là, il y a du coup chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Et puis ça, je ne sais pas c'est quel genre de chocolat. Mais du coup, c'est un petit mélange. Tac, est-ce qu'on a encore des choses à manger? Bien sûr. Ici, on a des pastèques. Alors, il y avait deux couleurs, mais je préférais la couleur là. L'autre, c'était rouge, mais ça ressemblait pas à une pastèque. Donc, voilà, ça fait une petite part de pastèque. Ensuite, encore à manger, on a des bonbons, mais cette fois différents. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Et pareil, j'ai pris un mélange de couleurs. Voilà. Ensuite, des petites fleurs. Enfin, petites. Je sais, oui, elles sont petites, mais voilà. Et elles sont toutes pareilles, ouais. J'adore. Ensuite, là, on a d'autres fleurs. Par contre, là, je vais ouvrir parce que vous n'allez pas voir. Hop. Donc là, on est sur des fleurs de différentes couleurs. Donc pareil. En fait, j'ai beaucoup pris de mix. Oh, bah celle-là, elle est cassée. Bon, bah j'essaierai d'enlever le morceau là qui reste. Et puis, je sais pas, j'en ferai autre chose. Donc voilà, il y a un petit mélange. Hop. Tac. Ensuite, allez. Ensuite, là, on est sur un petit lot de make-up, de girly, on va dire. Ah, oh, j'arrive pas à le... essayer de garder ça comme ça. C'est une petite palette de maquillage et le sac à main. Trop chou. Ensuite,
Des breloques coquilles. C'est quoi ça? C'est les coquilles. C'est genre les Saint-Jacques, non? Ouais, je sais plus. Avec les petites perles à l'intérieur en gold, toujours. Des petites tortues, celles-là, je les trouve trop mimi. Donc, il y a trois couleurs différentes. C'est les trois que vous voyez ici. Donc, c'est un mélange, en fait. C'est un petit peu fleuri. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, si vous voyez bien quand même. Voilà. Un petit chapiteau de cirque. Des petits. Celle-là, c'est Gaëlle qui m'en avait envoyé et je l'ai trouvé trop chou. Mais vu que j'en avais qu'une, je voulais pas l'utiliser. Un peu des moulins à vent. Dans le girly, on continue des jolies chaussures. Blanc, noir, rose et puis violet. Ensuite, alors ça c'est quasi les mêmes. Ici on a des jolies montgolfières comme ça. J'adore. Là, alors celle-là je vais la sortir parce que elle est trop chou. Alors, il y a deux couleurs différentes. Et regardez-moi celle. Je les trouve trop mimi. Avec la petite abeille, la petite fleur. Franchement, elles sont trop choues. J'adore. J'ai pris l'espèce de cheval à bascule, là. Alors, il y a différentes couleurs, mais je voulais vous montrer que celle-là, il y a rouge, noir, blanc. Ouais. Mais trop chou. Des petits chats. Regardez-moi ces petits chats, ils sont trop choux. Noir et blanc et rouge. Là, par contre, il n'y a que 5 pièces. On va continuer dans les petits chats. Hop, je vais vous montrer celle-là. Avec la petite guirlande, là, j'ai trouvé trop mimi. Ces petites guirlandes en forme de cœur, j'adore. Dans les petits chats, évidemment, je continue. Il y a encore deux paquets. Et donc là, c'est des chats Halloween. Ah bah celle-là, c'est toutes les mêmes. Donc, hop, c'est celle-ci. Trop chou. Ah, je pensais que c'était des différentes. Ah non, c'est les autres. Hop. Tac. Et les autres, c'est celle-ci. Je vais les sortir. Et donc j'ai repris celle-là parce que justement elle y est en un ou deux exemplaires, je ne sais plus, deux. Et vu que j'ai trouvé trop chou, j'en voulais pour moi aussi. Voilà le lot. Donc là on a citrouille, donc là c'est les bonbons comme l'autre. Le petit chat avec son sucre d'orge, là trop mimi. Et c'est des breloques Halloween en fait. J'adore. Et enfin, le dernier paquet, c'est un mélange. Alors, je vais faire de la place. Hop. C'est un mélange de 40 breloques, je crois. Oui, c'est ça. Je vous les montrer. Alors, déjà, on a pas mal de petits ronds comme ça. Je vous les montre au fur et à mesure. Ensuite, on a. Beaucoup d'aliments. Enfin, trois, je crois. Oui. On a trois aliments. Donc, tomates, pamplemousse et concombre. Alors, pour être honnête, tomates et concombre, les deux-là, je ne suis pas sûre de les utiliser. Pamplemousse, peut-être un peu plus sur des créas d'été, par exemple.
Ensuite, on a des breloques de Noël. J'en ai deux. Donc, j'ai un sapin et un petit gant comme ça. Une petite vache. Une horloge. Ensuite, on a des feuilles fleurs. On a encore un rond là aussi. Je regardais, mais en fleurs, feuilles, il n'y a que les deux là, qu'une rose et puis une petite feuille. Ensuite, alors j'ai pas compris là, c'est une clé argentée, alors que j'avais pris que du doré, mais c'est pas grave, elle est très jolie. Il y a cette breloque-là que je trouve trop chou. Je l'aime beaucoup, je l'avais vue, mais je ne l'ai pas prise. Fallait faire des choix. Ensuite, on a des papillons. Toc. Donc, on a un basique. Et puis là, ce sont deux en espèce de couleur. Top. Ensuite, j'ai deux petites queues de sirène là. Alors, oups, pardon, je vous ai fait bouger. Une rose et une noire. Une étoile de mer comme ça. Un hippocampe blanc. Une fleur comme ça. Là, on a une petite veste. Ensuite, les hiboux, on en a, enfin j'en ai trois, deux roses et un noir. Et puis ensuite, je vais vous montrer tout ce qui reste, dont une qui sera envoyée à la personne concernée qui adore ça. Je vais vous montrer. Je parle évidemment de cette petite tête de panda qui trouvera refuge dans sa nouvelle maison chez Gaël. Voilà. Ça, j'aime beaucoup aussi pour Halloween, ces petites citrouilles comme ça. J'adore. Eh ben, ma foi, voilà pour ce haul breloque. Hop. Je pense que là j'ai de quoi faire et j'ai de quoi envoyer hein. Parce que même si j'en mets plusieurs par case, je pense qu'il y a de quoi faire. Bon bah voilà hein. Ma foi, je vous ai montré tout ce que j'avais commandé sur Shein. Et puis, si vous voulez des références, des liens ou des machins, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai le lien sans souci. Et bien, sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien et prenez soin de vous. Ciao!